avec vous de nouveau. On avait fait de bonnes prises. Ah, il a la chance, leur bateau. Reste avec eux, c'est mieux. Mais une fois, vous avez passé des jours sans prendre de poissons. Et ensuite, on en a pris des gros, chaque jour pendant 3 semaines. Je me rappelle. Et je sais que tu ne vas pas quitter, parce que tu avais des doutes. C'est papa qui m'a obligé de vous quitter. Lui, il n'a pas la foi. Mais nous deux, on l'a. N'est-ce pas? Si. La chance va revenir, vous verrez. Mojito pour la dame. Isla de Pino pour le messier. Merci. La pêche a été bonne? Oui, pour certains, parce que le beau temps continue. Et la voiture, seigneur? Il faut changer une pièce, la pompe à eau. Le mécanicien dit qu'elle sera livrée dans un jour ou deux. Ah, vous êtes confortablement installé? Oui, très. Merci. Je ne suis pas pressé pour la pompe. Et la plupart des Américains sont impatients, non? Moi, j'ai tout mon temps. Et j'en suis heureux, seigneur. Je vous offre une bière sur la terrasse? Volontiers. Après tout, on est entre pêcheurs. Moi aussi, je pourrais être pêcheur au fond. Et toi, tu m'attendras en scrutant l'horizon avec une douzaine d'enfants dans tes jupes. Charmant. Je ne t'amuse plus? Non, chérie. Hola, Santiago. Hein? Voilà. Pas de chance? Non. Ça va faire combien de jours maintenant? Beaucoup trop. Il jette le mauvais sort sur le village. Comment? C'est un des meilleurs. Sa chance est comme un nuage noir qui avant longtemps va empoisonner nos bateaux. Merci. Est-ce que je vous apporte des sardines pour demain? J'en ai des sardines. J'aimerais pouvoir vous aider. Tu m'as offert une bière. Te voilà un homme maintenant. Le vieil homme qui est là, c'est son grand-père, tu crois? J'en sais rien. C'est toi l'écrivain. Je sais où trouver 4 beaux appâts tout frais. J'ai les miens qui n'ont pas servi. Je les ai mis dans la boîte. Et moi, je vous en trouve 4 frais. Ouais, alors? 2. D'accord, 2. Est-ce que tu les as volés? J'aurais pu. Mais cela, je les ai achetés. Non, foulez la paix. Je ne veux que lui parler. D'accord? Dis-moi, Santiago. Ça va? Très bien. Chacun sait que c'est toi le grand expert en baseball. Non. Oui. Avec mes amis qui sont là, on parlait justement de DiMaggio. Sa moyenne de coussure a diminué ces derniers temps. Alors on pensait que peut-être, comme tu l'expert, tu saurais sûrement nous dire pourquoi. Mais il est blessé, voilà pourquoi. Au pied. Il s'est blessé au pied. Vous voyez? Alors c'est dans ça qu'il cloche. Je comprends. C'est pour ça qu'il court comme une vieille femme. Tu fais erreur. Même quand il a mal, DiMaggio, il court comme une gazelle. Moi, je veux bien. Mais selon mon opinion, remarque, je peux me tromper, Santiago. Mais c'est mon opinion que DiMaggio n'est plus ce qu'il était. Non. Que sa réputation dépasse ses performances, si. Après tout, ce sont des choses qui arrivent. On disait à l'époque que tu étais le meilleur au bras de fer de tout Goa. Depuis Havana jusqu'à Matanzas. Oh, on dit beaucoup de choses. Oui, on dit que tu as battu un champion dans un concours qui a duré 2 journées. Mais personnellement, je trouve ça très difficile. Non, à laisse toi. Tomber, Andrés. Allez, viens me boire une bière, hein? Vous permettez? Nous parlons bras de fer, Santiago et moi. Il dit qu'il était un grand champion, jadis. Et je voudrais avoir l'honneur de me mesurer à ce grand champion. Tu es fou, Andrés. Alors, vieil homme. Tu refuses? Non.
Assieds-toi. Le petit va arbitrer. Il faut que nos bras soient bien droits. Tu es prêt, vieil homme ? Prêt ? Minute. Arrête. Arrête. J'ai dit une minute. Aïe, 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 aïe. J'ai fait une erreur. Regarde-moi ce bras. Ça n'a rien d'un bras de champion. On dirait une branche d'arbre toute desséchée. J'aurais peur de le casser comme une allumette. Oui. Excuse-moi, Santiago. On m'avait mal enseigné sur toi. Hello, fils. Bien pour tout le monde. Gracias. Santiago. Tu vas nous ruiner avec ta malchance, vieil homme. Alors renonce. Vous l'auriez battu. Pas aujourd'hui. Tu verras, demain ce sera une bonne journée. Vous irez où? Grand large. N'allez pas trop loin. Il est petit votre bateau et vous serez seul. Il y a un poisson là au large qui m'attend. Il est à moi. Ah. Je dirai à mon père de pêcher au large aussi. Comme ça, si vous attrapez un gros poisson, on pourra vous venir en aide. Tu sais qu'il n'aime pas pêcher au loin. Oui, c'est que sa vue a baissé. Je peux voir plus loin que lui. Je lui montre où il y a du merlet et on y va. Ouais. Vous y voyez encore, vous? Oui. Et vous êtes assez fort pour un gros poisson? Je crois, oui. Et puis, tu sais, il y a la manière. Vous avez à manger? J'ai du riz et du poisson. Tu en veux? Non. Je mange chez moi. Je vais faire du feu. Non, non. Je le ferai plus tard. Je vais d'abord m'asseoir là, au soleil. Et lire mon journal. C'est celui d'hier. C'est Lopez qui me l'a donné. À la terrasse. Je vais lire la page du baseball. Je vais vous apporter les sardines. Et vous me direz pour le baseball. Ah, les Yankees vont gagner, vous croyez? Ah, moi j'y crois aux Yankees. Car ils ont DiMaggio. Oui, mais les Indiens Cleveland sont dangereux. Oh, les Indiens. Et les Tigers de Détroit aussi. Oh non. Bon, je vais chercher les sardines. Ouais, c'est ça. Lopez, qu'est-ce qu'il y a à manger? Alors, tu n'aimes plus la cuisine de ta mère? Voilà, on a des beignets de bananes, un bon ragoût, du riz et des fèves. Alors donne-moi un peu de chaque. Tu manges ça ici? Non, non. Et deux bières? Deux bières. C'est combien tout ça? Tu me paieras une autre fois. D'accord. T'es un brave garçon, toi.
Le soleil est couché. Tu n'as pas fait de bruit. Je t'ai apporté des oranges et des papayes. Merci. La photo de maman n'est plus là. Je l'ai mise sur la table. Je la voyais trop. Je me sentais trop seul. Faut rentrer. Non, mais je suis confortable ici. Papa, faut rentrer. Apporte ta chaise. Tu restes pas longtemps? Non. Bon. Je te remercie pour les fruits. 84 jours sans prendre de poisson. Tu sais comment je l'ai su? Non. Le frère de Lopez, il travaille au marché qui se trouve dans la rue où on habite. Ah. Même à La Havane, tout le monde est au courant. Santiago et sa malchance. Papa. Rodriguez a déménagé. Nos affaires marchent très bien. On n'est plus obligé de louer la chambre. J'en ai discuté avec Thomas. Viens habiter avec nous. Tu aurais ta chambre à toi, tu pourrais lire ton journal, écouter les nouvelles du baseball, à la radio. Ah oui, mais tout ça, je l'ai ici. Qu'est-ce que je vais faire à La Havane? Regarde cette baraque. Quoi? Maman et toi, vous ne m'avez pas élevé dans une maison comme ça. Tu vis comme un ermite. Tout est sale. Même tes couvertures. Oh, tu sais, ça me suffit à moi. Aïe, 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 tu ne changes pas, tu sais. Papa, ça fait des années que je te demande de quitter cette maison, de venir à La Havane avec nous. Et tu dis toujours non, je vais tous les jours en mer, je vais à la pêche, c'est mon métier. Mais Dieu ne t'envoie plus de poissons, papa. Il te dit que c'est terminé, il te demande de venir habiter chez moi à La Havane. Oh, tu connais les pensées de Dieu, toi. En tout cas, je sais qu'il ne te donne plus de poissons. Il croit que tu es trop vieux. Ah. Dieu, il va m'en donner un poisson. Un gros poisson. Quand? Demain. Et si tu n'en as pas? Je continuerai. Et si tu meurs, la honte sera sur moi. Il n'y a pas de honte pour un homme de mourir comme il a vécu. Papa, je t'en supplie. Écoute-moi. Je t'aime. Merci. Et c'est pourquoi je te demande de me laisser ici et aller chercher du poisson. Pardonne-moi de te dire ça, tu es trop vieux. Oh, excusez-moi. Manolo, tu connais ma fille, Angela? Je suis enchantée. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'ai apporté des haricots, du riz, des beignets de banane et puis du ragoût. Tu vois, on s'occupe bien de moi. Il est têtu comme une mule. Et aussi un très bon pêcheur. Je t'ai demandé quelque chose. Je t'en prie, Angela. Bon, très bien, continue de faire à ta guise. Le poisson ne mordra pas et tu changeras d'avis, je reviendrai. Où as-tu pris tout ça? Lopez, à la terrasse. Il faudra le remercier. Je l'ai déjà fait. Je vais lui apporter le ventre d'un beau poisson. Tenez. Lopez est un monsieur que j'aime beaucoup. Oh! Oh, ça, ce ragoût, il est délicieux. Tant mieux, j'en suis content. Racontez-moi le baseball. Tu es sûr que tu veux encore entendre ça? Oui. Eh bien, dans la Ligue américaine, il y a les Yankees. Et DiMaggio est le meilleur, et de loin. Mais il y a d'autres bons joueurs dans l'équipe. Naturellement. Oh, j'aimerais aller à la pêche avec DiMaggio. On raconte que son père, lui aussi, était pêcheur comme nous deux. Et tout aussi pauvre. Mais le père de Dick Sisler, lui, il n'était pas pauvre. Mais Dick Sisler fut un grand champion. Et dans la nationale, je parierais sur Brooklyn plutôt que Philadelphie. Tu te rappelles quand Dick Sisler était venu à la terrasse et que je voulais lui demander d'aller à la pêche?
Oh mon Dieu, j'ai pas osé lui demander, j'étais trop timide. Vous voulez que moi je lui demande? Oh, c'est vrai. Et moi aussi j'étais trop timide. Oui, qu'est-ce qu'on a été bêtes. Il serait venu à la pêche avec nous. On aurait encore ce souvenir-là pendant tout le restant de notre vie. Santiago, dites-moi. Qui est le meilleur entraîneur, vous croyez? Dolph Lug ou Mike Gonzalez? Eh bien, je crois que... qu'il se vale. Et le meilleur pêcheur, c'est vous? Non. Il y en a des tas de meilleurs. Oui, il y a beaucoup de bons pêcheurs. Il y en a même de très grands. Mais comme vous, il n'y en a qu'un. Merci, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère seulement qu'il n'y arrivera pas un poisson tellement gros qu'il nous fera mentir tous les deux. Faudra bientôt aller vous coucher. Je te réveillerai demain. Mon réveil matin, c'est vous. Et mon réveil à moi, c'est l'âge. Allez, bonne nuit. Santiago. J'ai eu un maître excellent. J'espère pouvoir devenir aussi bon pêcheur que toi. L'adresse avec le filet ou la ligne ou la gaffe, ce n'est pas ça qui fait d'un homme un bon pêcheur. On doit toujours penser aux poissons avant tout. Il nous faut les tuer pour vivre. Mais on ne doit jamais oublier ce que représente leur vie, leur beauté, leur courage. Aussi. Merci. Votre femme dort encore, j'imagine. La plupart des Américains dorment tard. J'adore travailler le matin, tôt le matin. Ah, vous êtes un journaliste? Non, pas pour l'instant. Un vrai écrivain, alors? Écrivain, oui. Vrai, ça, c'est à prouver. C'est sûrement beaucoup de travail. Ça, oui. En tout cas pour moi. Et les seigneurs voudraient un petit déjeuner? Plus tard. Ça vous ennuie que je travaille ici? Ah non, non. Pour moi, c'est beaucoup d'honneur. Vous n'avez rien à manger?
aujourd'hui, j'ai suffisamment. Pousse. Bonne chance. À toi aussi. Dis-moi, le vieil homme qui est parti tout seul dans le bateau, qui est venu ici hier avec le petit. Ah, Santiago. Il sort toujours seul? Si. Sont-ils apparentés, le vieil homme et le petit? Pas par le sang, mais par l'affection. Le vieil homme, il a enseigné la pêche au petit. Sauf que maintenant, le petit est sur un autre bateau. Le vieil homme va en attraper un, non? Bien, seul le sait. Ça fait une semaine que je viens ici. Et je n'ai rien eu. Une autre journée ici est une perte de temps. Et je n'ai plus le temps à perdre. S'ils m'entendent parler tout haut comme ça, ils vont dire que je radote comme un... Un vieux qui n'a plus sa tête. Depuis quand je radote? Depuis quand je me parle à haute voix? Avant, je chantais. Quand j'étais jeune. Et le radotage, ça c'est depuis que le petit est parti. Enfin, je crois. Je ne suis pas fou. Et donc, par conséquent, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens. Les riches, ils ont la radio sur leur bateau. Et ils écoutent le baseball. C'est pas le moment de penser au baseball. Il faut qu'on pense à une seule chose. Aux poissons. Mouette, tu veux venir à bord de mon bateau? Non. Tu n'as pas la foi. Les mouettes et les pêcheurs, il faut qu'ils aient la foi. Et un peu de chance. Non, beaucoup de chance. Tila, tila la 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 de ram. Bonjour. Bonjour, señora. Vous voulez du café? Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Tu travailles?
Oui. Un nouveau projet? Des notes. Des notes? En vue d'un roman ou une nouvelle? Pas encore décidé. Ah. Ça, c'est de l'enthousiasme. Tu prends des notes depuis un sacré bout de temps. Le temps et l'espace sont relatifs. Einstein. Le temps révèle la vérité. Anonyme. L'anonyme, c'est toi. Pourquoi pas? Le vieil homme. Le vieux pêcheur qu'on a vu ici hier, il était avec le petit gars. Tu changes le sujet, Tommy. Je sais. Ça fait maintenant presque 3 mois qu'il n'a rien attrapé. Pas un seul poisson. Peut-être qu'il s'y prend mal. Dans le village, on dit que c'est la malchance. Autrement dit, cet homme est un raté. C'est dur, ça. La vérité est souvent dure, oui. Et si j'attachais ce filin à mon orteil, je pourrais dormir et dériver en attendant. Non, sauf qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dormir. Au contraire, il faut être bien éveillé. Manger quelque chose. Vous auriez des œufs? Bien sûr. Señor? Des œufs, oui. Très bien. Bueno. Tu vas t'occuper de la voiture ce matin? Oui. Tu as vu quelque chose, toi? C'est certain. Merci, l'oiseau. Tu m'aides beaucoup. Bonite, ou un thon peut-être. Merci, mon ami. Voilà. Peut-être un marlin. Je suis très loin. Il pourrait être vraiment gros. Oui, celui-là. Il est peut-être énorme. Reviens. Je t'en prie, poisson. Tu m'entends?
Hein? Sans mes sardines. Sans lait. Et sans froide et succulente. S'est échappé. Carajo! Encore un. Il est revenu. Il a fait demi-tour. Ne joue pas avec moi, poisson. Tu restes. Où tu vas ailleurs. Mais ne joue pas avec moi. Ça y est. Ça y est. Allez. Mange. Vas-y, poisson. Avale-la. Avale-la. Vas-y. Mon Dieu, quel poisson! Je suis remorqué par un poisson! Je pourrais attacher le filin. Oui, mais il est foutu de le casser. Il faudra tenir tant que je pourrai. Grâce à Dieu, il nage à la surface. Et non vers le fond. Je voudrais tant le voir. Pour moi, je saurais ce que j'ai à combattre. Mais s'il va vers le fond, comment je ferai? Il m'entraînera. Qu'est-ce que je ferai? Oh, je trouverai bien. Voilà, ça y est. Vous n'aurez plus de problème. Réparé? Oui, belle voiture. Vous êtes venu avec des États-Unis? Oui. C'est une chance d'avoir trouvé une pompe pour ce modèle de Packard, même à La Havane. Combien je vous dois? Vous voulez pas la vendre? Vendre la voiture? J'ai un client justement qui cherche un modèle comme celui-ci. Il paierait un bon prix. Elle a voyagé partout avec moi. Parfois, c'est bon de changer. Pour vous et pour elle. Elle est réparée? Oui. J'ai trouvé ceci pour toi. Je l'ai vendu. Quoi? Hé, hey, Nino! Pour toi. Gracias. Allons à la terrasse. Tiens. Oh, merci. C'était une blague, la voiture? Non. Tu veux dire que tu l'as vendue avant d'en discuter? Avec toi? Oui, c'est ça que j'ai osé faire. Désolé. C'est le début de quelque chose que je ne sais pas. On va se départir de tous nos biens temporels? Elle était trop snob, trop voyante et trop ostentatoire. Tout ce pourquoi on l'aimait, quoi. Elle commençait à lâcher de partout. Aujourd'hui, c'était la pompe. Et demain, l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai assez envie de rester ici.
Ici? Tu veux dire dans ce village? Oui. Tu te plais ici, non? C'est-à-dire que ce qui me plairait vraiment, ce serait de savoir un peu à quoi tu penses. Ben, je vais te dire, je pense beaucoup à ce vieil homme. 84 jours et pas un seul poisson. Comment tient-on comme ça? C'est à lui qu'il faut le demander. Je peux pas, les gens sont trop discrets. Ici, ça se fait pas de poser des questions d'ordre personnel. On te répondrait de te mêler de tes affaires. Oui, mais beaucoup plus poliment. Sûrement, oui. Du soleil. Il va peut-être remonter à la surface avant. Ou bien peut-être qu'il remontera avec la lune. Poisson, j'ai beaucoup de force. Alors que toi, dans ta bouche, tu as l'hameçon. Pourquoi tu fais ça, poisson? Est-ce que c'est l'hameçon qui te fatigue? Eh bien, moi aussi, je suis fatigué. La première ronde est pour toi. T'es encore trop fort pour moi. Allez marcher. Bon, d'accord. Encore dans la glace. Voilà. Je n'ai pas le temps de m'occuper de deux poissons. C'est de mon ami qui est là. Bon, peut-être qu'en le remontant comme ça, il va sauter un peu. En douceur. Allez, poisson, monte. Grand Dieu, que tu es lourd. Rends-moi un peu de ligne. Allez, poisson! Deuxième ronde pour toi. Je suis blessé. C'est toi qui as fait ça. Ah, je perds la main en vieillissant. Il faut que je fasse plus attention à mon travail. Thank you.
Quelle heure est-il, Tommy? 2 heures, pas loin. Tu ne dors pas? Le vieil homme n'est pas entré. C'est pas ton problème. Allez, viens dormir. Pas tout de suite. Je mange. Ah, j'aimerais que Manolo soit là. Et j'aimerais aussi avoir du sel et de la lime. La lime! La lime! Quoi? J'en ai trouvé! Ah, bien. Tu les coupes et tu les presses sur les poissons. Tu en mets partout. C'est très bon, la lime. Merci. Quel âge j'avais quand je suis allée en mer avec vous la première fois? Pourquoi tu me poses toujours cette question? Ben, parce que j'aime entendre la réponse. C'est 5 ans que tu avais. Et j'ai failli me faire tuer. Oui. Comment ça? Je t'ai tout raconté, ça. Tenez. Comment c'est arrivé? Bon, d'accord. J'ai attrapé un poisson trop vigoureux et il a failli mettre le bâton en pièces. Ah oui, je m'en souviens. Le bruit de sa queue qui battait, ses sauts dans le bateau et les coups que vous lui donniez. Et vous m'avez balancé à l'avant du bateau avec les lignes mouillées. Et ensuite, tout le bateau a été secoué. Et le bruit que vous faisiez en l'assommant, les coups, on aurait dit un arbre qu'on abattait. Et puis l'odeur du sang sur moi. Tu t'en rappelles parce que je t'ai raconté. 100 fois. 1000 fois peut-être. Je me souviens d'absolument tout. Depuis la première fois. C'est bon ça. Comme tout ce qui vient de la mer, tu sauras. À l'exception des galères portugaises. Et des requins. Mais cela, c'est pas sa faute à la mer. Combien pesait le plus gros poisson que vous avez pris? Je m'en souviens pas. Si, vous vous rappelez. Et j'en ai vu des énormes poissons. J'ai vu des poissons qui pesaient pas loin de 1000 livres. Ceux que vous avez pris? Pas les autres, Santiago. Ah, ceux-là. Alors ça... 2. Si, 2. Là, tiens. Grand comme ça. Un grand comme l'arbre, oui. Vous étiez seul sur le bateau? Non. Vous n'étiez pas avec moi? Non. C'est pas juste que j'ai pas été là. Il était ici quand je suis arrivé il y a 10 ans.
Oui, j'ai travaillé comme garçon de table à La Havane. Et un cousin qui venait justement d'ici m'a parlé d'un poste d'aide barman. J'en avais par-dessous la tête d'être serveur. Je rêvais des promotions, d'avancement, alors je suis venu ici. J'ai pas bougé depuis. Les gens sont calmes, braves, travailleurs, honorables. Il n'y a jamais de problème. Parlez-moi du vieil homme, Santiago. Il vivait déjà seul au moment où je suis arrivé. Sa femme était morte, sa fille était mariée et vivait à La Havane. Ah, il était vraiment seul. Mais c'est un homme très fier, il est très secret. Il ne parle pas souvent. Je l'aime beaucoup. Et durant cette période difficile, je tâche de l'aider. Mais je vous l'ai dit, il est très fier. Alors, si je peux faire quelque chose, c'est uniquement avec l'aide de Manolo. Est-ce qu'il est le plus âgé de tous les pêcheurs ici? Dieu se le sait, ici un homme rentre du poisson ou il n'en rentre pas. C'est la seule différence. Pourquoi vous intéressez-vous à cet homme-là? Parce qu'il n'a rien attrapé depuis 84 jours. Et il ne lâche pas. Il y a là une dignité qui est extraordinaire. Les écrivains ont ce genre de pensée, je suppose. Il n'est pas rentré hier. Qui donc? Santiago, il est parti hier matin, il n'est pas encore entré. Excusez-moi, mais je dois servir des clients. Ça vous est égal? Les respects. Les respects, c'est beaucoup plus important que la vie, señor. D'accord, poisson. Je l'avoue, je suis un peu fatigué. J'ai la tête toute légère. Si tu n'es pas fatigué, toi... Alors, c'est vraiment bizarre, je te le dis. J'aimerais te faire voir de quelle étoffe je suis fait, quel homme je suis. Ah, si je pouvais, je changerais de place avec toi. Je descendrai là, dans le noir, dans le froid. Remonte, poisson. Regarde-moi en face. Je te lance un défi. Un contre un. D'homme à homme. Fatigué, Santiago. Combien d'heures maintenant? 8h20. Ne t'inquiète pas, Absalom. Tu ne seras pas en retard, je te battrai à temps. Le perdant sera toi, et tout de suite. Je vais te battre, Santiago. Donnez-moi du rhum. Ça fait combien de temps? 9h, 2 minutes et 28 secondes. Je t'ai fait une promesse, Absalom. Félicitations. Quand j'étais jeune, je pouvais battre n'importe qui. Il n'y avait rien à mon épreuve. Poisson, je me battrai jusqu'à la mort, garantie. Ah, et tu feras sûrement pareil, je suppose. Oh. Je me demande comment on se sent à bord d'un aéroplane, en regardant la terre. J'aimerais voler lentement et regarder les poissons. Mmh.
Pourquoi on fait ça, à ton avis? Pourquoi quoi? Les fruits dans les cocktails. Ben quoi? Les fruits, c'est une coutume tropicale. Dans le Nord, on boit l'alcool sans rien. C'est pas compliqué. Il y a abondance de fruits sous les tropiques. Tu crois? C'est évident. Tu veux que je te dise ma théorie? Ah oui? Alors voilà. Sous les tropiques, c'est pour le plaisir que les gens boivent. Alors que dans les pays nordiques, on boit pour éviter la dépression. Ben, c'est une théorie. La vérité, c'est que j'aime pas tous ces fruits. Parce que justement, je suis en train de combattre une dépression. Est-ce parce que tu t'ennuies? Je me sens déphasée. C'est idiot, je sais, seulement je me sens affreusement inutile. C'est très démoralisant. Écoute, il faut que je reste ici. Il se passe un truc important. Il faut que je le découvre, sinon je suis perdu. Moi aussi, je suis perdue. Je t'aime. Et tu le sais. Et tu crois? Où vas-tu? Je sais pas. Ben, attends-moi. Attends-moi. Qu'est-ce qui te prend à toi la main? Tu as une crampe? Oh non alors. C'est pas le moment de me lâcher. Allez, ouvre-toi ma main. Aide-moi. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Le voilà qui remonte. Allez, la main, je t'en supplie. Aide-moi. Santa Maria, Madre de Dios. Patron de ligne. Ne lui en donne pas trop. Surtout ne la casse pas, poisson. S'il te plaît, ne casse pas ma ligne. As-tu sauté? Plusieurs. Tes vessies sont remplies d'air. Ça va t'empêcher de redescendre en profondeur. Alors, je vais pouvoir te faire travailler. Je vais pouvoir te montrer comme je suis fort. Doucement, tu vas me tuer. Un de nous deux va tuer l'autre. On a le droit. Je t'aime et te respecte beaucoup. Mais avant la fin de la journée, c'est moi qui t'aurai tué. Avec
Non, j'en ai pas vu. Vous avez vu Santiago? Fou, poisson. Je t'en prie. Ne fais surtout pas de bêtises. Hein? Mon Dieu. Si seulement le petit pouvait voir ça. Faut rester calme et fort, vieil homme. Approche, poisson. Je veux te voir de près. Encore un peu, poisson. Approche, je t'en supplie. Je t'attends depuis tellement longtemps. Il faut en finir. Ce poisson. Ce poisson qui était mon frère. Allez, au travail. On peut s'asseoir avec toi? Oui. Le vieil homme, c'est ton ami? Nous avons pêché ensemble très souvent. Quel âge a-t-il? J'en sais rien. Et puis, ça n'a pas d'importance. Il reviendra? Si. Et avec un poisson. C'est un très grand pêcheur. Et plus que ça. Une fois, j'étais dans le bateau avec lui. Et il a ferré un marlin, la femelle d'un couple. Ça, c'est parce que la femelle, elle mange toujours avant le mâle. Donc la femelle se battait contre la ligne. Et le mâle tentait de la libérer. Santiago craignait qu'il coupe la ligne avec sa queue. Et puis Santiago a gaffé la femelle et l'a assommée. Alors le mâle, qui était tout près du bateau, a sauté. Il est monté dans les airs. Il voulait voir la femelle. Il était beau à voir. Il était resté. Et le vieil homme a dit : jamais je n'ai vu une chose aussi triste. Et moi aussi, j'étais triste. Combien de temps le mâle est-il resté? Jusqu'à ce qu'elle meure. C'est notre vie, la pêche.
Il faut que j'y aille. Est-ce qu'on peut aider? Non. Il reviendra. Je resterai moi aussi. Quoi? Comme le Marlin, s'il t'arrivait un malheur, je serai auprès de toi. Peser 1500 livres, plus peut-être. À 30 cents la livre, alors il me faut un crayon. J'ai commis un péché en tuant ce poisson. Pourquoi? Le bon Dieu m'a fait pêcheur, il a fait le poisson poisson. Saint-Pierre lui-même, il était pêcheur. Et le père de DiMaggio aussi. Et ce poisson, je l'aimais. Alors oui, il est le péché. Hein? Et puis, qu'est-ce que tu connais du péché, toi? Au moins 1500 livres. Je t'en prie, vieil homme. Reviens. Avec un peu de vent et un peu de chance, on sera bientôt chez nous, poisson. Ti-da, ti-da, da, 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 da. Où étais-tu? Voilà, je suis allée me renseigner à l'hôtel de ville. J'ai trouvé un fonctionnaire à qui j'ai dit qu'un vieux pêcheur était absent depuis 2 jours. Et alors? Eh bien, ça a eu l'air de l'amuser. Il a dit que ces choses-là arrivaient souvent et que n'importe comment, on ne peut pas surveiller tous les bateaux. Lopez m'a dit la même chose. Mais pourquoi on ne louerait pas un bateau? Toi et moi, on le retrouverait. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Puis d'ailleurs, il ne voudrait pas. Alors on doit rester là à rien faire? Mais on fait quelque chose, on attend. Et le petit aussi, il l'attend. Et on essaie de comprendre. C'est pas rien. Et quand je me suis réveillé, tu n'étais pas là. J'aurais dû te laisser un mot. Oh mon Dieu, ça ne pouvait pas durer, c'était trop beau. Il arrive droit sur moi. Il faudrait l'arrêter, mais j'en suis incapable. Je vais essayer.
parti avec mon harpon. Et avec tout mon filin. Oh, oh, tu saignes, poisson. Mon Dieu. Il va en arriver plein d'autres. Non, ne pense pas à ça. T'entends, vieil homme? Tu continues. Tu gardes ton cap. Et advienne que pourra. Mais il faut que je pense. C'est tout ce qu'il me reste. Ça et le baseball. Joe, j'allais frapper. Un joli coup sûr. Oh, c'était pas un circuit. Mais un solide coup sûr. Ça plaît, saigne beaucoup. Ils vont revenir. Il faut que je me protège. C'est une pierre qu'il me faudrait. Il coupe pas du tout ce couteau. J'ai oublié d'en prendre une. Et laisse. Tu dois penser à ce qu'il y a dans le bateau. Et pas à ce que tu as oublié. Tu as de l'espoir. Donc, tu penses à l'espoir. Et au bon vieux temps. Santiago, Maria, in matrimonio. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Donnez-vous la main. Je vous déclare maintenant unis par les liens sacrés du mariage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu connais ce bateau? Bien sûr, c'est ton bateau. Ce matin, à notre mariage, je t'ai donné mon cœur. Et maintenant, je te promets de toujours sortir du poisson de la mer. Aussi longtemps que je serai en vie. La chance prend beaucoup de forme. Aujourd'hui, quelle sera ta forme? Hein? Lopez, vous auriez pas le journal d'aujourd'hui? Si. Je peux vous l'emprunter? Oui, il est derrière le bar. Merci. Tu peux l'emporter. Ah, merci. Il ne sait pas lire. Vraiment? Pourtant, il semblait lire. Seulement les résultats au baseball. Le vieil homme lui a appris. Santiago!
Les Yankees ont battu les Tigers 2 fois, 4-2 et 8-6. DiMaggio, écoutez bien ça. DiMaggio a eu 5 coups sûrs et 2 coups de circuit, un dans chaque match. Écoutez, vieil homme, DiMaggio est maintenant guéri. Il ne peut pas t'entendre. Tu as l'air malin à hurler comme ça. Non, il m'entend. Aucun son n'est perdu. Tous les sons, depuis le commencement du monde, sont encore dans l'air. Qui t'a raconté ça? Lui. Un son est perdu quand personne ne l'entend. Il est là. Il est peut-être en vie et peut-être pas. Et pourquoi? Parce que de petits sots comme toi lui disent qu'il est un grand pêcheur et combien il est fort, combien il est rusé. La vérité, c'est qu'il est très vieux, non, faible et têtu. Tu n'y connais rien. Tu veux te taire? Tu vis à la ville, tu vas au magasin et tu peux te procurer n'importe quoi. Tu n'as qu'à ouvrir ton porte-monnaie et tu as tout ce que tu veux. Hé, hey Manolo, tu oublies que je suis venue au monde. Ici, tout le monde me connaît et je sais comment on y vit. Mais je te parle de mon père. Oui, seulement... Pardon. Et tu n'as aucune nouvelle? Personne n'a pu te dire si un pêcheur l'a vu? Non. Il y a un cousin de Lopez qui m'a dit qu'il était parti loin au large. C'est juste. Tout le monde va dire: Angela, tu n'as rien fait pour ton père. Angela, une fille doit pourvoir aux besoins de son père quand il est vieux. En tout cas, Dieu sait que j'ai essayé. Dans ma prochaine vie, mon père sera boulanger. Qui veut être le premier? J'ai pris mon couteau. Fais-le voir à tes frères. Pardon, poisson. Je regrette d'avoir ferré. La pêche, c'est... pas censé être ça. C'était mal de venir aussi loin. Autant pour moi que pour toi. Salut. Salut.
Salut. Cigarette? Volontiers. J'ai fait un drôle de rêve. Tu veux que je te raconte? Oui. Alors, dans mon rêve, le vieil homme, enfin le pêcheur, est sauvé par un paquebot en croisière. Et dans mon rêve, le bateau, c'était ou le Rex ou le comte de Savoie. Bon, et puis après, on lui a servi un splendide dîner. Il y avait un risotto à la milanaise, de l'osso buco. Oh, ça avait l'air succulent. Alors, t'as faim? Non. Réveille-moi si jamais il revient. D'accord. Je t'aime. Moi aussi.
Tu l'as vu? Le bateau, oui, mais il est loin encore. Je tenais à vous le dire. Manolo. Gracias. De nada. Il revient. Manolo a vu le bateau. Oh, enfin. C'est quoi ça? Les cloches. Ah, c'est dimanche. Très bien, je t'ai dit. Ma vie, j'aurais pu croire que je verrais ça. Ils m'ont battu, Manolo. Je te jure qu'ils m'ont battu. Le poisson. Il vous a pas battu, lui. Non. C'est après. Les requins. Les requins. Attendez, laissez-moi vous aider. Non. S'il vous plaît. Non, non. Allez. Sois gentil. Reste là. Ça se voit. Très bien. Tu es têtu comme une mule. Tu viendras voir tes petits-enfants un de ces jours? Hein? Oui. J'y
l'univers. Oui, bientôt. Santiago! Il vous appelle! Eh bien, je ne suis pas sourd. Santiago! C'est une extraordinaire prise, Santiago! C'est un poisson superbe! Elle est finie, ta malchance, Fion! Oui, la chance va te sourire maintenant, Santiago! Vous avez dormi? Oui. Ça va bien? Les mains, c'est tout. Tu as pris du poisson, toi? Un le premier jour, deux le second et deux le troisième. Bravo. Je vais pouvoir aller pêcher avec vous de nouveau. J'ai tellement à apprendre. Il va falloir qu'il y ait un harpon en permanence à bord. J'ai perdu mon couteau. Ça fait rien, j'en ai un. Combien de jours de mauvais temps on aura, à votre avis? Oh, 3 ou 4. Comme ça, mes mains pourront guérir. Et je verrai à ce que tout soit prêt. Tu m'as manqué, tu sais. Quel poisson! Eh oui, c'est une grande perte. Mais c'est aussi un gain. Tu vois, on peut être détruit, mais sans être vaincu. Alors dites-moi, les Yankees! Ils ont gagné? Oui, 2 fois. J'avais pas la radio à bord. Et DiMaggio, comment va-t-il? Il est guéri. Oui, DiMaggio est guéri. Hein? Et son pied? Guéri. Guéri? Il court comme une gazelle. Ah, alors l'opération a réussi. Oui. Hein? Oh, c'est merveilleux. Donc tu crois qu'on va gagner le championnat? Ah, facile. J'ai confiance, ouais, en DiMaggio. Tu commences à devenir comme moi.